Alors, Tezu, Varchen, Vu, Matt, Angelo et Bilei. Ok. Ils ont une grosse team. Bon, après, on a une grosse team aussi. On a Trex, Iceberg, Hassel. Donc, ça peut être pas mal. On va sortir un petit Rome avec le skin Krompus. Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. Rome. Et puis, il a eu un nouveau skin, donc faut le tester. Faut le tester. On prend le Deku Shen Bolt comme d'hab, hein, bien sûr. Et puis. Boum, boum, boum. Le skin Rome incroyable. Il est incroyable ce skin Rome. Hein. Il est incroyable, hein, ce skin, pour de vrai. Yolem, salut Dark. Ouais, stylé le skin, j'avais jamais vu sur d'où. Il sort, il est sorti début décembre. Il est dans le coffre festif, je crois. Ou alors tu peux l'acheter en achat direct. En plus, Angelo t'aime pas, donc il va sûrement te focus. Angelo. Ah, Angelo, j'avais pas vu. Bah, bien sûr, Drew, bien sûr. Le petit père Angelo, le Lucky Streamer, c'est vrai, on a oublié. Lucky Streamer 2-7, hein, bien sûr. Ouais, je reprends Drew, mais j'ai plus l'habitude de le jeu. Bah, moi, je t'avoue que. Ouais, c'est écrit Naughty, c'est marrant. Voilà, je sais pas pourquoi, je me suis tapé une barre là-dessus, mais. Je vais prendre résilience aussi quand même. Il va falloir Chronos résilience très vite. Ok. Pour le coup, j'ai aucun problème avec ça, mon bro. Elle est où la merde? Ok, d'accord. Mais attends, leur base elle est là-bas? Bah après, voilà. On capture. Moi j'ai 4 mecs sur le cul, je m'en fous de mourir. Faire quoi de Naughty? Genre quand tu dis Naughty Boy c'est mauvais garçon, mais en gros Krompus. Krompus il vient des légendes, enfin pas des légendes mais tu sais des... Du un peu de la Saint-Nicolas en fait, c'est un peu l'équivalent du père Fouettard. Et du coup c'est les enfants qui ont pas été gentils, reçoivent du charbon, ce genre de truc. Merci tu vois. Merci beaucoup. Mais c'était nul comme ulti, mon bro, ça, Brozine. C'était nul, Matt. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas ouf, ça. Folklore. Le folklore, merci, je trouvais plus. Ah, j'ai pas réussi. Bon, écoute, on va se barrer. On a plus le. Je pouvais pas faire ma charge. Il avait mes rewind donc. J'étais mort dans tous les cas. La Gatling dorée rend super sur ce skin en plus. Ah, j'ai la Gatling dorée. Non, je dois avoir la Gatling de base du skin. Mais ouais, le skin est magnifique pour le coup. Il est vraiment magnifique. Skin Ultra détaillé quand il regarde plus. Ouais, non mais en fait, de toute façon, les nouveaux skins sont giga détaillés. Oh, c'est une Trex, qu'est-ce que tu fais là? Attends, je reviens Arshen. Non, il a un point de vie. Je vais commencer à m'amuser là. On va commencer à s'amuser un petit peu là. Voilà. Il a réussi à me stun. Non mais. C'est aberrant. Le stun que je me prends de là. Oh, what the fuck? Oh les dégâts je me suis pris. Non mais attends, c'est aberrant le stun que je me prends là. Ou comment ça se passe? Genre enfin vraiment je suis là, je me fais stun. Comment se fait-ce? Pshht.
Job against Lian. Ah ouais, je savais pas du tout. J'ai un éternement qui est encore en a pipe. Un bon ulti de pipe, ça peut faire vraiment la diff, honnêtement. Est-ce que je peux stun les poulets avec mon outil? Je pense que oui, hein. Salut Onalia, comment tu vas? Des fois, tu voles et tu te prends le stun de Nara, ou est la logique? Oh, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a le stun... Moi, l'ulti d'Inara, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Bien de précision, j'avais pas vu. Ouais, bien de précision. Ouais. Du coup, contre Rome, c'est pas mal du tout. Ça va nickel, Onalia, je te remercie. Pas des bonnes games aujourd'hui, écoute, mais sinon. Moralement parlant, ça va. Fait plaisir. On se rapproche des vacances de Noël, donc trop bien. Nice le... Il nous a fait, à seul, il nous a fait une barrique pas lourde là, je crois bien. Quoi? Non mais, c'est une aberration ce qui vient de se passer là. Je me suis vraiment pris le fear. Je me suis vraiment pris le fear. À un pixel près? C'est une aberration ce qui vient de se passer. T'es avec Lenita? Bah j'ai win en fait. Ouais, Lenita trop forte. On a déjà perdu deux games avec quand même, mais... Mais je suis bien avec Lenita, ouais. Ah yes. Je peux pas retoucher. Mais par contre, à celle Hans, t'es... Mais il est moisi ce barrique en fait, là. Bah ouais, super. Coucou, lui, il sera spawné là, comment tu vois. Some believe that she whispered on your own show. Qu'est-ce que tu dis, Gigi, pardon. The marks on barric, sorry. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Ah là là, ce 6 barrique nous avait pas fait une palourdasse, ça aurait été pas mal hein, pour le coup. On va pas parler de cette ulti hein. T'en pensais quoi? On peut en parler. J'ai pas hésité à ulti, hein. Trop marrant, Rome. Beaucoup trop drôle. On a plus rien vu. Non, mais on a rien vu. Rien vu, t'inquiète. Ok, merci. Ah, dommage ça, Trex. Zin, t'es pas drôle, Zin. Zin, t'es un enfant. Albert, il fait un carnage. Albert, il est bon sur pipe, ouais. Il est très très bon. Alors, au moment où on dit ça, il meurt, mais il est bon quand même. Encore plusieurs raisons, focus barrique, c'est très dur de jouer barrique, j'ai remarqué. Ah non, mais le barrique, il est difficilement jouable, mais il va être très très bien au prochain patch, quoi. Lenita, qui a essayé de slalom, mais elle apparaît ici. On va tempo, Trex, on va éviter de mourir. On va prendre la hauteur, mon bro. En seconde, ça se défend. Ok, ça c'est pas mal. Boum. Boum. Okay.
Donc là on va vraiment perdre le point pour le coup, c'est ce qu'est en train de se dire là. Ils ont dû claquer quand même deux ultis importants quoi, les petits pères là. Aïe aïe aïe, coup dur. Coup dur, coup dur. Barrick meilleur que Nara prochain patch ou pas? Je sais pas. Limite dans certaines occasions, pourquoi pas. Salut à Cœur, ça, nickel et toi. Je vois pas beaucoup de gens jouer le nouveau perso dont je sais plus le nom, pourquoi elle est pas bien. En rank 1, elle est pas dispo surtout, Dark. Et sinon elle est pas évidente à jouer je trouve. Elle est pas évidente à jouer. C'est dur hein, c'est dur. J'ai l'impression de pas faire une game dégueu avec Chrome. Je fais des erreurs mais j'ai pas l'impression que je suis dégueu non plus. Parce que le skin, j'ai galore. Ouais, donc ça c'est le skin Chrompus. Il est trop trop bien. Pardon, je me suis un peu emporté. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Ok. Passe tous à droite, encore une fois. Bien joué ça. Bien joué Lenita. Tourne toi. Vilain va. Trex. Ah non mais là c'est pas possible au bout d'un moment. Le Barrick il est exécrable. Le mec est 4ème pick quoi. Le mec est 4ème pick, il est devant moi. C'est ça de la commu en vrai. Je mets une pression de fou mais bah ça suffit pas en fait. Pour de vrai, c'est dommage. Tu as fait un deck spécial ou c'est un deck standard? C'est un deck spécial que j'ai là. En vrai, la commu c'est giga sad. Ça va être une autre défaite? Possiblement. Ok, donc là on est en train de les laisser free push. Ok. T'es intéressé? Ok. Non, on a un pip. Non mais le pip il est impuissant. C'est juste là notre Shaleen, Trex il joue vraiment très mal pour le coup. Il prend aucun duel, c'est très compliqué pour lui hein. Si step up ça sera mieux tu vois. On va attendre hein. On va attendre de se regène et... Oh Trex il a un point de vie. Ok, non c'est bon, Matt aussi il avait un point de vie. Ah, j'ai pas réussi. Atlas anti-fun. Je monopolise pas mal attention, là je les ai bien tanké un peu. Barrick faut vraiment que t'arrêtes de mourir hein, par contre. Le skin trop bien. Trop bien pour le coup. Mais Barrick, non mais il est horrible Barrick, j'ai l'impression, non? Je sais pas pourquoi il est parti Barrick.
je peux pas. Je peux pas, je me suis vraiment tout pris. Hassel, heureusement, il a pu faire son ulti. Faut vraiment qu'il survive. Ok. Faut vraiment survivre. Bien joué, Iceberg. Ok. Le wall était pas bon, fort heureusement pour nous. Eh bien mon dieu, Marie-Joseph s'est étendue comme un string brésilien. Salut Pandaro Kondia, t'as un peu trop attiré leur attention. Ah ouais, j'ai un peu trop attiré leur attention, je crois, Samurai. C'est une thune. Vraiment, ils m'ont détruit, quoi. Ça. Oh, je vais essayer de prendre revivifié niveau 1. Côte peut-être. Ça va. Côte, ça sert à quoi? Tu fais jamais ton ult? Ah bah en même temps, je vais pas le faire quand je suis un V4 et que je dois de mourir. On touche pas à 93. J'ai fait un bon ulti au début du round tout à l'heure. J'en ai fait deux autres fail. T'inquiète, ils vont avoir ma diction. Bah ils ont pas tout cap si. On en a cap un, non? On en a qu'un P1, je crois. Ok. Vraiment là? Ouh! Tu peux pas faire ça! Oh là là. D'en bas peut-être? D'en bas is one? Voilà! C'est ça qu'on veut! Tita tuta tita, tita tita toutou. Bah quand même, bon sang! C'est toujours de l'enquête? Ouais, c'est de l'enquête. Bon sang! Et top à la machette! Tu joues avec Chrome sans côte? Non mais moi je cours dans le tas, Rory. Dios mio! Moi je courais dans le tas, hein. Moi je courais dans le tas, c'est tout ce que j'ai fait, hein. Moi je courais tête baissée, j'étais en mode... moi j'étais en mode débile, hein, tu vois, genre... Bon, Trek, ça va. Au final, il est mort pas mal de fois, mais il a pris des bons kills. C'est vrai que 14 morts, ça fait beaucoup. Après, on a Genos, Asberg qui peut assister un petit peu en heal. Mais ouais, putain, Archen, vu 180 000 points de dégâts. Une game intéressante, pour le coup. Une game intéressante, on a failli la perdre plusieurs fois. J'avoue qu'Asselons, 9-12, il est mort 12 fois. Il fait quand même du dégât. C'est bizarre, en fait, j'ai l'impression des fois que des mecs meurent tout le temps, parce que quand je les regarde, ils meurent, mais en fait, c'est juste que j'arrive pas à voir forcément autour. Je pense que j'ai fait le casse-pied. Je pense que j'ai réussi à faire un peu le casse-pied dans la backline, monopoliser 3-4 personnes, faire chier. Pas assez d'ulti, certes, mais on a fait une belle game. Et le nouveau skin de Rome, il est super cool. Très marrant à jouer quand t'as pas trop de counter en face. Là, j'avais Atlas qui me saoule un peu, mais ça va. Ça va, par lui, j'étais pas trop emmerdé. Belle petite game, donc GG, well played.